Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde, salut la famille, salut les abonnés, les anciens, les nouveaux, tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez tous, bien. On est presque début du mois de février, je m'y prends donc un petit peu tard. Je vais vous expliquer tout ça, mais aujourd'hui, je vous propose une vidéo, une guidance sur les énergies à venir pour chaque signe astrologique. Donc, on va voir les 12 signes ensemble dans cette vidéo pour le mois de février, justement, 2022. Alors, justement, comme... Bon, moi, j'ai eu pas mal de changements dernièrement, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Je pense que je vais faire une vidéo aussi sur ce sujet, avec des messages en plus. Enfin bon, voilà, il y a des choses à venir, beaucoup de choses à venir aussi sur la chaîne, aussi dans les consultations privées, beaucoup de changements. Voilà, c'est déjà actuel sur le site, mais je ne vais pas en parler ici, je prendrai le temps un peu plus pour vous expliquer aussi moi ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, etc. et les changements que ça amène, des changements positifs pour moi et positifs pour vous aussi, parce que bah, justement ça va amener des nouveaux contenus, une nouvelle façon de travailler pour moi, en tout cas de partager, pas du travail, justement de partager, de jouer, de m'amuser avec vous, de prendre du plaisir dans les tirages, dans les consultations privées aussi, etc. etc. Bon, comme je vous ai dit, je ne vais pas m'étendre dessus, mais je tenais à vous le dire, et je posterai prochainement, voilà, des vidéos pour expliquer ça plus en détail. Donc, justement, j'ai pas eu beaucoup de temps, j'avais même pas prévu, pour tout vous dire, de faire les signes astrologiques, mais bon, voilà, j'ai été, on va dire, guidé, conseillé, j'ai eu des demandes aussi à ce niveau-là pour vous faire une petite vidéo, donc on va voir... Aujourd'hui, de manière plutôt simple, dans le format, vous allez voir, on a juste des 2 cartes oracles, mais qui vont nous donner déjà un aperçu global, les énergies globales, et puis ça va être déjà assez riche, je l'espère, pour chacun des signes dans cette vidéo. Voilà, donc d'un point de vue général, vous prenez ce qui résonnera pour vous, les énergies à venir. Je vous encourage vraiment, les amis, à coupler cette guidance donc en allant voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, toutes ces informations, c'est pas pour rien, c'est pour que ça vous donne plus de précision vraiment. Vous pourrez voir aussi les similitudes, les synchronicités entre les différents tirages avec ces 3 aspects, donc solaire, lunaire et ascendant. Voilà, après, vous êtes libre, vous faites comme vous voulez de toute façon. Moi, je mets beaucoup d'intention dans la vidéo que je vais vous partager pour que les messages résonnent directement avec vous. Voilà, je vais me laisser guider au niveau des mots. Les mots, je ne vais pas les choisir, ils vont venir tout seuls. Donc, ça va être des informations brutes et, a priori, ça va faire écho pour vous. Voilà. Alors, je pense que l'intro est déjà pas mal. J'ai dit beaucoup de choses. De toute façon, les amis, pour la suite des informations, vous allez pouvoir regarder en bas de la vidéo. Vous allez trouver notamment le timing. Je ne sais pas dans quel ordre vont ressortir les signes, donc je verrai ça après, une fois que j'aurai fait la vidéo, la guidance. Donc il y aura le timing en bas, dans les commentaires aussi éventuellement, si vous voulez, qui correspond à votre signe. Voilà, votre signe solaire, ascendant ou lunaire, encore une fois. Et vous trouverez plein d'informations aussi, les différents jeux que j'ai utilisés, et notamment pour ceux qui souhaitent déjà avoir un petit avant-goût, notamment dans les prestations que, voilà, qui changent pour moi, tout ce que j'ai envie d'apporter, eh bien vous pouvez faire un petit tour sur mon site. Et le lien, pareil, se trouve en bas de la vidéo. Voilà les amis, donc j'ai vraiment hâte de partager ce moment avec vous. C'est parti, pas de choix à faire, juste à vous détendre tranquillement et à vous laisser porter avec moi par la guidance qui va nous être accordée, qui va nous être offerte aujourd'hui. Donc, c'est parti. Alors, on a tous les signes ici, j'ai déjà, voilà, tout tiré, mais je ne sais pas du tout ce qui va ressortir. Alors, je vais mettre... Donc là, on aura le premier signe. Je vais mettre le reste de côté. Voilà, on va le mettre par ici. Alors, Donc, on commence par les Vierges, Virgo en anglais, les signes de la Vierge. Alors, bon bah déjà bienvenue, bienvenue à toi. Je sais pas si je vais vous voyer ou tutoyer pendant la vidéo. Bon, on va voir, comme ça se présentera. Alors, c'est parti, quelles sont les énergies pour les Vierges en février 2022 ? Rainbow Blessings. Waouh! On nous parle d'arc-en-ciel et de blessings, ce sont les cadeaux. Donc, on a une énergie extrêmement positive. Ça me fait plaisir de commencer avec vous, déjà, les Vierges. Énergie extrêmement positive, avec des cadeaux de la vie, peut-être même des souhaits qui se réalisent. On a l'idée, si vous voulez, avec cet arc-en-ciel, de lumière, de chaleur, de bonnes nouvelles aussi qui arrivent sur votre chemin, de soleil, de joie, de bonheur véritablement. Après, j'ai l'impression pour beaucoup de Vierges, une période un peu difficile, hein, l'arc-en-ciel qui vient là comme un espoir, apporter voilà, de nouveau de la foi, l'espoir, après une traversée, peut-être moi j'ai l'image, si on regarde la météo ici, donc on a l'arc-en-ciel, mais avant il y avait la pluie, hein, il y avait peut-être même une tempête ou de la pluie ou quelque chose de grisâtre. Vous voyez, moi j'ai cette notion peut-être de tristesse, de perte d'élan, de motivation, d'envie, peut-être le chakra sacré, je ressens, qui était bloqué, ou celui du plexus solaire. Ça peut être les autres aussi, mais c'est principalement ce que je ressens pour vous. Blessings are showering your life. Donc vraiment des cadeaux sont apportés, des cadeaux de la vie, quoi. Hein. Donc on a une énergie extrêmement positive qui encourage à voir l'avenir aussi plus lumineux, plus radieux. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous, avec cette image notamment? Pour moi, vous sortez les Vierges. Le château ici, vous voyez, on a quelqu'un qui regarde à travers la fenêtre, comme si c'était nous, hein, qui regardions à travers la fenêtre, et on voit là, on voit un chemin déjà, on ne sait pas où il mène, mais il y a un chemin qui est éclairé là, donc pour moi un chemin qui mène à de nouvelles aventures, c'est voilà, c'est la nouveauté, c'est un nouveau départ, et justement on sort du château. Pour moi ce chemin, cet arc-en-ciel là, il nous invite à aller voir ce qui se passe sur ce chemin, à aller voir ce qui se passe par la suite, et non pas rester dans cette tour qui peut être ici, je le ressens un peu, comme une prison, comme quelque chose qui est enfermant, limitant, vous voyez, entre quatre murs ici, hein, on est... voilà, il y a une ouverture en fait, je ressens qu'il y a une ouverture pour les Vierges durant ce mois de février. L'envie aussi de découvrir de nouvelles choses, de se lancer peut-être dans un projet, peut-être à la conquête justement de ses rêves, de ses grands espoirs. Alors c'est important quand même de voir symboliquement ce que ça représente pour toi. Cette tour, tu vois, le fait d'être enfermé dans une tour, peut-être que c'est dans ton foyer, peut-être que c'est par rapport à une situation en particulier, peut-être au niveau professionnel, je ne sais pas, puisque c'est général, mais comme je te disais, on sort d'une tristesse, d'une léthargie peut-être, ou d'une procrastination, ou d'un manque d'envie, d'un manque de désir, de passion, de rêve aussi, d'espoir et de foi. Et voilà, on sort de ça. C'est vraiment une invitation, la vie envoie des signes encourageants en fait. Ok, et alors on a aussi savoring pleasure, donc c'est la notion de plaisir ici. Plaisir. I fully embrace bliss in my life. Donc il y a vraiment... donc déjà, vous voyez la notion de plaisir. Je parlais du chakra sacré notamment ici, qui est très fortement relié à nos aspirations profondes, à nos désirs, nos envies, des choses avec lesquelles voilà, on se fait plaisir. Donc le mot-clé de plaisir, la notion de plaisir est centrale, primordiale et nécessaire pour vous, les Vierges, durant ce mois de février. Justement, peut-être qu'on est moins dans l'analyse, on est plus dans le moment présent, plus dans voir la beauté, moi aussi j'entends, dans les petites choses, vous voyez. Il y aura tellement de petites choses durant ce mois de février qui vont être mis comme ça sur votre chemin, qui vont jalonner votre chemin et qui vont vous, soit vous émerveiller, soit vous faire plaisir en fait, tout simplement, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'image d'un bain, vous voyez, donc il y a peut-être une notion de d'épuration, de purification par rapport à des anciennes énergies, des choses peut-être reliées à cette tristesse, comme je vous disais, ce manque d'envie, etc. La volonté, tout simplement, de prendre soin de soi, déjà, de prendre soin de son corps, de ses énergies, de sa tête, de ses pensées, de sa psyché, hein. Et on est sur le... Alors, attendez, j'ai le hoquet. Faut que je boive un petit peu. Avec mon ami, le petit Père Noël sur sa luge. Voilà, on est sur la notion de cadeau, donc c'est pas mal. Ouais, je disais le plaisir, la purification, et justement peut-être que la purification et l'élimination de ce qui pourrait être toxique pour vous va passer par le simple fait, en fait, de se faire plaisir, quel que soit le moyen. Ici, on a quelque chose de simple, vous voyez, un bain moussant avec du parfum, des roses, la bougie qui parle peut-être de spiritualité, de rituel, de connexion. On a la musique aussi ici, on a un bon verre de vin, donc même par l'alimentation, vous voyez. En fait, tous les éléments, en fait, on est en train de vous dire ici que la magie de la vie, vous allez la percevoir aussi différemment, hein. Ça peut être très simple aussi de vous faire plaisir, et ça va être très important et central de trouver des petits moyens comme ça à votre disposition. C'est pas des choses chères, c'est pas compliqué en fait, pour vous faire plaisir. Voilà, les Vierges, c'est tout, c'est déjà pas mal pour votre guidance. J'espère que ça aura résonné. Comme d'habitude, surtout, n'hésitez pas à liker, partager aussi autour de vous, et laissez-moi un petit commentaire si vous en ressentez l'envie. Voilà, voilà, donc je vais passer à la suite, et je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de février. C'est parti. Alors, je passe à la suite au numéro 2, donc je ne sais pas de qui il s'agit encore. Je dispose les cartes et on découvre tout ça ensemble. Alors, nous avons les poissons, hein, Pichet, il me semble que c'est bien ça. Pichet d'eau, ouais, c'est donc le poisson. Ok, bon... Alors, d'ailleurs, avant même de découvrir les cartes, là, ce qui me vient, c'est deux choses. Ça va être très intéressant, d'ailleurs, de voir ce que nous disent les cartes, mais j'ai la notion de tourner en dérision les choses, de prendre peut-être plus de recul, de voir le côté, en fait, au final, comique des situations... peut-être un esprit plus d'autodérision, un esprit justement moins critique et plus d'autodérision, plus de légèreté, je ressens dans les énergies pour les poissons. Et alors, ce qui me vient aussi, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de Pichet, alors attendez, il faut que je prenne le temps, parce que c'est reparti. J'avais une autre idée qui est venue. Alors... Bon, je vais pas trop forcer, si je vois que ça vient pas, peut-être que ça va venir au cours de la guidance, mais j'avais une autre information, toujours en lien avec cette notion de recul, d'autodérision. Ah oui, d'accord. Voilà, les mots, les communications vont être très importantes pour vous, et en fait, on vous dit que vous allez pouvoir en fait percevoir au-delà des mots. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai l'information brute comme ça, mais vous voyez, il y a, des fois on entend un discours, mais en fait justement, nous ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, ce qu'on capte, eh bien c'est différent en fait de ce que la personne voulait dire ou de ce qu'elle a vraiment dit. Mais vous justement, les poissons, vous allez avoir, vous allez percevoir une autre vérité. C'est comme si vous voyez au-delà des voiles, au-delà de l'inconscient, du non-verbal, enfin tout ça, vous allez capter à travers particulièrement les mots, soit dans une conversation, soit à travers la musique, à travers les supports comme la télé, des choses comme ça même, mais vous allez capter des informations, vraiment. Voilà. Donc je sais pas pourquoi on a eu ce message, mais bon. Alors, c'est que je voyais que cette carte elle était à l'envers, ça me gênait. Bon, c'est parti. Vous voyez d'ailleurs, tout est synchronicité. Je parle de choses à l'envers, ben vous allez voir l'autre facette, vous allez voir l'envers du décor, j'entends. Bon, on avance, on avance. Alors, vous avez l'abondance infinie. Waouh, l'abondance infinie. L'abondance rentre dans ma vie. Donc là, de quelle abondance on parle, je ne sais pas. Peut-être sentimentale, peut-être professionnelle, peut-être matérielle, etc., etc. Peu importe. Dans tous les cas, il y a une idée véritablement d'abondance qui rentre dans votre vie, que vous allez pouvoir sentir, que vous allez pouvoir, comme ces pommes, croquer, savourer, palper. Hein, c'est du concret. C'est pas juste voilà, dans l'idée « Ah oui, j'accueille l'abondance ». Non, non. En plus, vous le savourez, pleinement. Donc très beau mois pour vous aussi, très belle énergie, et on a quand même l'idée ici, vous voyez, on a des personnages qui ont bien travaillé pour ça, hein, donc il y a l'idée en fait quelque part de récompense par rapport aux efforts fournis, par rapport à l'engagement dont vous avez fait preuve, la ténacité, la persévérance, bref, les actions que vous avez mises en place vous ramènent de plein droit, j'ai envie de dire, le fruit de votre labeur. Ça a été assez long, j'entends pour beaucoup de poissons, avant que ça arrive, cette période, mais ça va être tellement un soulagement pour vous de se dire « Ah, mais ça y est, enfin, le plus dur est passé. » Moi, j'entends le plus dur est passé, et là, maintenant, je peux enfin ressentir concrètement les bienfaits de tout ce qui a été mis en place avant, vous voyez? Après, on a aussi plein de personnages là qui s'entraident, qui participent à la même tâche, donc au niveau, vous voyez, justement, communication, au niveau partage avec les autres, d'une manière générale, bien sûr, il y a de la coopération, hein. Les gens vont plutôt dans votre sens, il y a de l'entraide, il y a du soutien, on co-crée ensemble. Donc très très beau, très très beau. Les poissons, et vous avez aussi « Proceeding softly ». Alors, « My inner power grows in moment of quiétude ». Donc, vous voyez, c'est un peu la notion aussi qu'on retrouve là d'abondance, de plaisir, de savourer. Là, on est voilà, à table, dans un pique-nique, avec du thé. Hein, donc, moment de relâchement. Hein, de relâchement, il y a une pression, il y a un allègement qui s'accompagne en plus d'une certaine réussite et d'une abondance. Ouais. Des moments de tranquillité, de légèreté. Vous voyez, je vous parlais aussi de légèreté tout à l'heure avec l'autodérision, avec... voilà, il y a beaucoup moins de drame en fait. On est moins sur un aspect dramatique, on est sur un esprit festif, éventuellement festif. On partage des bons moments avec les autres, avec des amis, avec la famille, etc. Avec soi-même aussi, hein, simplement avec soi-même, dans des moments de calme. On s'accorde ces moments de pause et de calme aussi, justement, parce que c'est bien mérité. C'est bien mérité avec tout ce qu'on fait au quotidien. Tout le travail sur soi, toutes les actions qu'on pose à l'extérieur dans la matière. Voilà les amis, écoutez, c'est une guidance assez rapide, mais les messages en même temps sont très clairs, j'ai l'impression, pour vous. Je vais quand même aller regarder un tout petit peu si j'ai autre chose avec cette carte notamment. My inner power, donc mon pouvoir personnel intérieur, grandit dans des moments de calme, dans des moments justement où on n'est pas dans le stress, on n'est pas dans l'urgence, on prend le temps, on est relax, et puis ouais, je trouve que ça coïncide bien avec le premier ressenti que j'ai eu avant même de voir les cartes sur le côté jeu, J-E-U, s'amuser. Pour moi, il y a un lien ici, hein. Dans tous les cas, les moments de quiétude, donc les moments de calme, où on se fait plaisir aussi, voilà, on profite simplement de la vie, etc. Eh bien, c'est dans ces moments-là que vous allez augmenter vos énergies, votre vibration et votre force, votre potentiel intérieur. Voilà, les poissons, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas surtout à liker, vraiment, c'est important. Pour moi, pour la chaîne, pour la vidéo, à partager autour de vous, et puis aussi peut-être à me laisser un petit commentaire sur vos ressentis, si vous en sentez l'envie. Voilà les amis, je vais passer à la suite, et je vous souhaite un très bon mois de février, et à bientôt. Alors, c'est parti, je continue avec le troisième signe, qui va être mystère, nous allons le découvrir ensemble. Alors, on va mettre ça là, et ça là. Alors, nous avons le signe du bélier. Aries, oui, c'est ça. Bélier. Bélier, eh bien, bienvenue sur votre guidance, sur ta guidance. Avant de découvrir les messages, justement, je capte quelque chose pour vous. J'ai le sentiment de révélation importante, peut-être de prise de conscience, des mystères qui se dévoilent. Moi, j'entends ici des mystères qui se dévoilent, mais ce n'est pas forcément sur des choses extérieures, genre sur une personne, sur une situation professionnelle ou quoi que ce soit. Alors, pour certains, oui, ça va être le cas, c'est possible, mais pour beaucoup, la majorité, j'ai vraiment cette notion de révélation, de mystères qui sont dévoilés sur vous-même, sur ce que vous êtes véritablement, et aussi par l'intermédiaire, par conséquence, pardon, ce que vous n'êtes pas, ou ce que vous n'êtes plus, ou ce que vous ne voulez plus être aussi. Hein, il y a une... voilà, des missions, vous voyez, je fais un lapsus, mais c'est révélateur, peut-être justement révélateur de prise de conscience, de messages que vous allez recevoir, des secrets sur vous, sur des capacités, sur des compétences, sur votre mission de vie, sur... voilà, je sais pas, les cartes vont nous en dire plus, j'espère, ou peut-être qu'elles vont aller dans ce sens ou pas, on va voir, mais j'avais déjà ce message très fort qui est ressorti pour vous là. Alors, je bois un petit peu. J'ai chacun la gorge qui va beaucoup travailler durant cette vidéo. Alors, on a quoi? Traveling lightly, donc voyager plus léger. Simplify your life, donc là c'est pareil, se simplifier la vie. D'accord. Alors, vous voyez déjà, regardez, l'image est assez parlante, hein, donc déjà on a la notion de voyage. Voyage dans tous les sens du terme, symbolique, concret, peut-être même d'ailleurs sûrement plus symbolique, mais on voit que sur votre chemin de vie, sur votre chemin, les béliers, oui c'est ça, vous voyez, il y a un panneau, This Way. This Way, ça veut dire dans cette direction, va dans cette direction. Donc, dans tous les cas, vous êtes guidé, vous êtes accompagné avec des signes clairs pour vous dire la direction qui vous convient, la vie vers quoi elle veut vous amener, où est-ce qu'elle veut vous diriger. Hein? Donc là, il y a un chemin, il y a quelque chose qui se dégage, vous voyez, parce que là, derrière lui, il laisse peut-être une poubelle. Moi, j'ai cette notion en fait d'une poubelle, des choses qui ne nous servent pas, des choses que nous ne sommes pas aussi, et puis il part comme un vagabond là avec sa petite guitare, enfin je ne sais pas quel est cet instrument, mais... avec une âme plus libre, une âme d'artiste. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ici. Donc, Le chemin se dégage, des obstacles se lèvent, mais a priori, pas forcément des obstacles, encore une fois, qui étaient extérieurs tant que ça, mais plutôt des choses de l'auto-sabotage, des peurs, des doutes, voilà. On est plus soi, en fait. Les béliers, on est plus soi, on s'affirme plus, on se reconnaît davantage, et on sait où on va, surtout. Hein, on est bien décidé, on a un cap clair, un objectif, un rêve, peut-être. En tout cas, le chemin, on sait sur quel chemin on s'engage. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Et les choses se simplifient. Vous allez voir aussi là que maintenant qu'il y a des choses que vous allez pouvoir mettre de côté, du passé, ça peut être des habitudes, ça peut être des croyances, des comportements, tout ça, etc. Mais tout ça, c'est poubelle, c'est des choses qui ne vous servent pas, qui n'étaient même pas vous en fait, à la base, à l'origine. Et là, ça vous allège tellement. Et ça permet aussi justement à la guidance divine, à vos guides, à vos anges, de pouvoir vous montrer le chemin. Peut-être que moi j'entends que c'est en synchronicité. Vous voyez, il y a des synchronicités qui se font entre le cheminement intérieur et à l'extérieur les signes, la signalisation même, j'entends, comme des panneaux, vous voyez, qu'on va mettre sur votre route. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide les prochaines semaines, voire même les prochains mois. C'est plus fluide, c'est plus allégé. Les choses se présentent plus vite aussi à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Waouh! Manifesting Dreams. My dreams are coming true. Donc, manifester ses rêves, mes rêves deviennent réalité. Waouh! On a alors déjà on a le symbole de l'abondance ici, avec tous ces fruits là qui sont là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les amis? Mes rêves deviennent réalité. Donc pour certains, ça c'est palpable au mois de février. Il y a de l'abondance, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a tout ce qu'il faut et justement de la bonne nourriture ici, des bonnes choses, vous voyez, des bons aliments. Mais c'est aussi à prendre dans le sens symbolique. On a jeté des choses, vous voyez, regardez, là il y a une poubelle, on a mis des choses qui ne nous servaient pas, on les laisse derrière soi, et là, vers quoi on va, par contre, là, ce personnage, vers quelque chose qui va remplir de nouveau, mais qui est sain. Là, on laisse des choses derrière soi, des objets, des choses du passé, etc., bref, qui ne nous servent plus, hein, simplement, et voilà vers quoi on se dirige sur ce chemin. Pour moi, c'est comme si ce chemin-là, d'ailleurs, on a quelque chose de similaire au niveau même... pourtant, c'est deux oracles différents, hein, mais au niveau du paysage, de l'atmosphère ici, de la saison, peut-être même, de la saison, ce personnage, il va vers ça, en fait. C'est comme si son chemin l'amenait à manifesting dreams, donc à manifester ses rêves. C'est très très clair, très très clair. Donc, waouh, c'est des super énergies, les amis. J'ai pas grand chose à rajouter, mis à part que, voilà, faut vraiment avoir aucun doute sur le chemin, surtout désencombrer votre chemin, déblayer, tout ce qui ne vous sert pas, ça part à la poubelle, parce que ce qui vous attend justement, c'est pouvoir vous combler avec vos véritables rêves, vous aligner, vous voyez, justement à votre véritable mission de vie, à vos véritables désirs, à ce que vous, vraiment, vous voulez, peu importe ce que les autres en pensent, que les autres en disent. Voilà, bon. Écoutez, n'hésitez pas surtout vraiment à liker, à partager autour de vous, ça aide la chaîne, et laissez-moi un petit commentaire si vous le souhaitez de vos ressentis, ça me fera extrêmement plaisir, les béliers. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. On continue, les amis, avec vous, je ne sais pas encore qui vous êtes, mais on va le découvrir. Alors, les Géminis, les Gémeaux, bienvenue, Gémeaux, signe ascendant, lunaire, solaire, bien sûr aussi. Alors, C'est intéressant parce que là, en découvrant à chaque fois comme ça, au fur et à mesure, les signes, ça fait déjà plusieurs, ça me le fait aussi. Avant de voir les cartes, j'ai des messages qui me viennent, qui sont pas d'ailleurs, qu'on ne retrouve pas forcément ici. Donc je vais me connecter avec celle-ci et c'est pareil pour vous. Alors, c'est un peu complexe à expliquer. Déjà, j'entends, comment dire, une certaine dualité. Une certaine dualité pour savoir justement qui vous êtes vraiment, ou peut-être qui vous voulez être. Ça peut être aussi qui vous voulez attirer dans votre vie, quel type de partenariat vous souhaitez lier, avec qui vous souhaitez vous engager, que ce soit au niveau amical, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il y a vraiment le 2, le chiffre 2 qui est très important, c'est pour ça que je vous parle de dualité. En fait, j'ai l'impression que durant ce mois de février, d'ailleurs c'est le deuxième mois de l'année, soit dit en passant, vous allez expérimenter, c'est ça, la dualité. C'est pas, je ne sens pas pour l'instant forcément quelque chose qui va être difficile, compliqué à vivre, mais c'est important que vous le sachiez. Dualité à la fois à l'extérieur, mais parce qu'il y a cette même dualité à l'intérieur. Il y a vraiment la notion de miroir ici, de effet miroir de la vie à l'extérieur, tout ce qui va vous être présenté, et en particulier dans les relations, le relationnel, interrelationnel, avec vous-même. Parce qu'il y a en fait cette même dualité intérieure. Peut-être il y a un combat intérieur, je sais pas, un rapport de force, une opposition, voilà. Et ça, c'est des choses que vous allez pouvoir trouver aussi à l'extérieur, peut-être. Mais, encore une fois, c'est quelque chose, en fait, qui est plus profond, qui est plus enfoui, qui révèle de nos énergies intérieures inconscientes, aussi. Ok. Alors... moi, j'ai l'impression, en fait, que tout ça, à quoi ça sert? Je ne sais pas si ça va être pour le mois de février, ça peut être pour après, peut-être que là, c'est pour amener des révélations, un peu des prises de conscience, mais pour la suite, c'est justement pour recréer de nouveau une harmonie, une complétude intérieure. Et pareil, là aussi, comme je vous l'ai dit, pour l'effet miroir, ça va marcher dans le même sens, c'est-à-dire que si en intérieur, vous êtes en paix, en harmonie, harmonie, c'est le mot surtout, eh bien, à l'extérieur, vous allez attirer à vous des relations harmonieuses, des situations harmonieuses. D'accord? C'est très important que vous preniez conscience de ça. Et pour moi, c'est le chemin que... en fait, on veut vous montrer la face cachée de certaines choses, des choses qui sont enfouies aussi peut-être, amener de la conscience pour justement que vous puissiez créer une vie de choix, mais avec le véritable choix. Bon, je ne vais pas trop accentué parce que déjà je parle beaucoup et puis voilà, on a des cartes aussi qui vont nous accompagner quand même. Alors vous avez Joy and Delight, donc la joie et le delight, je sais même pas, le plaisir on va dire, en tout cas la joie, voilà, la joie. Open your heart to joy, voyez, c'est pour en fait ici donc déjà on a quand même de la joie d'une manière générale, hein. On a ce mot-clé qui ressort, donc c'est plutôt positif. Mais j'ai l'impression que c'est pour amener une métamorphose. Il y a une métamorphose qui est en cours, un processus de transformation important, d'ouverture, justement d'ouverture vis-à-vis peut-être du relationnel, d'ouverture à la joie, d'ouverture à l'amour. Il y a le chakra du cœur qui résonne particulièrement ici pour vous, et le chakra du plexus solaire. Ce sont les deux principalement que je ressens qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de plus d'ouverture, et pour beaucoup, justement, c'est le chemin que vous allez prendre durant ce mois de février. Ou en tout cas, c'est ce que les événements vont amener à révéler, à ouvrir. Open your heart to joy. Donc, ouvrir son cœur à la joie. Et on a aussi embarking on an adventure, donc embarquer dans une aventure, j'ai envie de vous dire, dans une nouvelle aventure. Donc là, il y a la notion ici de, en effet, de prendre de la distance. Hein. On a ce personnage-là qui est dans la montgolfière, qui prend beaucoup de place d'ailleurs sur la carte, une montgolfière qui s'évade comme ça. Il y a une évasion. C'est un petit peu d'ailleurs l'énergie aussi qu'il y a dans cette carte avec ce personnage, cette petite fille fée là, cette petite fée, ou j'ai envie de dire cette fée papillon, parce que je ressens le papillon ici, la métamorphose, la transformation. On passe d'un état à un autre, on évolue, voilà, il y a une évolution aussi, et ça nous emmène justement ailleurs, ça nous emmène à découvrir de nouvelles choses. Là aussi, il y a la notion de contemplation, de découvrir quelque chose, de la lumière, découvrir... bon, voilà, ça sera différent pour tout le monde, mais plus de joie, des choses qui vont vous ravir, vous émerveiller. Donc pour certains, ça peut passer aussi par le fait, en effet, d'une séparation de symbolique là aussi, mais on quitte quelque chose, on abandonne quelque chose pour pouvoir s'embarquer dans de la nouveauté, pour pouvoir accueillir la nouveauté. Hein? Ouais. Alors, on a ce personnage qui a aussi une longue vue et qui regarde plein de symboles. Alors on a une pyramide, on a, j'ai l'impression c'est Big Ben à Londres, on a la Tour Eiffel, donc bon, ça parle quand même beaucoup de voyages, peut-être à l'étranger, peut-être d'envie de déménager, peut-être envie tout simplement voilà, d'aller ailleurs en fait, mais c'est pas forcément géographique, ça peut être aussi symbolique. On a une envie d'ailleurs, on a une envie de plus de joie, etc. Hein? Et la notion aussi d'aller justement à la découverte de l'autre, d'aller à la découverte de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. C'est le voyage à l'état pur en fait, c'est le voyage à l'état pur. Donc voyage, découverte, étranger, mais pas avec des peurs, avec de la curiosité justement, avec de l'envie. Hein? Je parlais du chakra du cœur et du plexus solaire ici. Et j'ai l'impression que justement, c'est comme, alors là c'est ce que j'entends, un changement de peau. Vous vous détachez de certaines étiquettes, de certains concepts par rapport à vous en fait, voilà, par rapport à vous, vous mutez, voilà, il y a une mutation de peau, de costume, de manière d'être, de manière de penser, d'habitude, de comportement, etc. Voilà les amis, les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, surtout n'hésitez pas si c'est le cas à liker, partagez et aussi laissez-moi un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir, je les lis tous. Donc je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt, salut. C'est parti, je continue avec vous, les prochains, avec toi qui a cliqué sur cette vidéo. Alors, quel est le signe? C'est le signe du Cancer, signe du Cancer. Ok, alors, ce qui me vient spontanément, avant même de découvrir les cartes, d'ailleurs le message peut-être ne sera pas, comment dire, ne va pas être révélé de nouveau avec les cartes qui vont suivre, donc je ne sais pas encore, mais voilà, sachez que c'est quelque chose là qui me vient spontanément pour vous, les Cancers. En fait, je ressens quelque chose d'ancestral. Donc déjà, il y a la présence des ancêtres pour vous, peut-être de manière subtile, je ne sais pas si vous en aurez conscience, si vous le percevrez, mais vos ancêtres, la lignée, j'entends même la famille d'âme aussi, qui est très importante durant ce mois de février, et aussi, j'entends notamment durant les deux phases de la lune, donc la nouvelle lune et la pleine lune. Hein, il peut y avoir durant ces moments-là, notamment si vous faites des rituels, de la magie, des choses comme ça, des connexions très puissantes avec le côté ancestral ou guide, ou etc. Voilà, j'ai eu le premier mot qui est venu, c'était ancêtre, mais ça peut résonner pour vous, vous pouvez avoir d'autres croyances aussi, et ça peut être par exemple plutôt les guides, ou les anges, etc. Mais bon, voilà. Alors, l'autre message que j'ai aussi important à vous transmettre, justement, c'est qu'il y a des choses, peut-être des vies antérieures, qu'on peut vous révéler, qui peuvent émerger durant ce mois de février. Des choses sur des vies intérieures, ça peut être des événements qui ont été vécus, des traumatismes, mais aussi dans le sens positif, pour certains, on parle de capacité, de don, de savoir, de sagesse, etc. Des choses qui, voilà, qui viennent de très très loin, je ressens. C'est pour ça qu'il y a le côté ancestral aussi. Voilà, et pour certains, ça va même arriver de manière comme ça, inattendue. C'est pas vous qui le cherchez, ça vous tombe dessus. C'est « Oh, tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe ?» Ça peut être un peu déboussolé peut-être sur le moment, parce que ça vient de nulle part, vous l'avez pas cherché, encore une fois, mais waouh, ça amène... comment dire? Ça vous amène à une nouvelle étape, à une... Alors, c'est pas vraiment ça que je veux dire. Attendez, je vais essayer de me concentrer pour bien trouver les bons mots pour l'énergie que je ressens. Ça vous amène à un nouveau palier, une nouvelle construction, une nouvelle construction pour vous. Je ne sais pas si c'est concret, une nouvelle construction professionnelle, sentimentale, dans votre foyer, etc. Ou si c'est dans votre structure interne. Je ne sais pas, mais une nouvelle construction. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Begin now, donc commencez maintenant. Take your first step. Vous voyez, donc il y a vraiment une nouvelle aventure, un nouveau départ, hein, on peut résumer ça comme ça, qui vous attend. On a ce personnage-là qui s'apprête à partir... on ne sait pas pourquoi, peut-être pour une quête personnelle, parce qu'il laisse quand même derrière lui certainement, on va dire, sa femme ici et ses enfants, donc sur l'image, hein, ça ne veut pas dire que c'est ça que vous allez vivre, mais c'est justement, on s'embarque là dans un voyage, peut-être quelque chose d'initiatique, vous voyez, très, ouais c'est ça, initiatique, découverte peut-être de soi, voilà, je pense pas qu'il part là de chez lui comme ça sur un coup de tête. D'ailleurs, il n'est pas du tout en colère ou quoi que ce soit. Hein. C'est plutôt bon, voilà, ça y est, j'ai besoin de découvrir quelque chose, j'ai besoin de passer à autre chose. J'ai un appel, hein, j'ai un appel justement peut-être à aller. Comment dire, comprendre des choses au niveau de mes vies antérieures, au niveau du karmique, etc. Voilà, c'est un peu mélangé ce que je ressens, parce qu'il y a plusieurs énergies, vous êtes différents, tous différents, mais l'idée principale est là. Et on vous dit d'y aller, c'est le moment en fait, de faire le premier pas. Hein. Peut-être si vous aviez justement certaines peurs, certaines choses qui vous retenaient, c'est un encouragement ici à se lancer. Donc dans ce nouveau commencement, ce nouveau projet, ce nouveau départ, cette nouvelle vie, voyez ça, vous voyez, je vous ai parlé ici de nouvelle construction. Ben voilà, il y a quelque chose qui veut, en fait, il y a quelque chose qui devait peut-être se déconstruire, voire se détruire pour certains. Ce sont des mots forts, mais là aussi, encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est symbolique. Pour qu'il y ait une nouvelle construction et une construction qui vous ressemble plus, qui est plus en accord avec vous et avec vos véritables aspirations et désirs du cœur. Ok. Et on a aussi hearing messages pardon, from spirit. Donc recevoir des messages des esprits, des guides. I am clear channel for messages from spirit. Vous voyez, alors déjà, ça coïncide totalement avec ce que j'ai ressenti tout de suite en voyant votre carte du cancer. Je vous ai parlé de choses ancestrales, je vous ai parlé de guides, peut-être d'anges, etc. On a la plume ici, on a le cœur, on a... Bon, voilà, vous recevez clairement, je ne sais pas par quel moyen, à quel moment, peut-être particulièrement pendant la pleine lune et la nouvelle lune du mois de février, mais vous recevez des messages, c'est très clair. Il y a un appel très puissant. Hein? Et I am clear, donc le canal de réception, de canalisation, même si vous voilà, enfin genre, en fait on est tous médiums, donc médium c'est recevoir des messages de l'invisible. Là, sachez que vous allez recevoir des messages de l'invisible, hein, des messages clairs. Ça peut être, vous voyez, par les écrits, par un courrier, par une plume, donc un signe, une synchronicité, par terre, dehors, etc., etc. Mais vous n'allez pas passer à côté, ça va être vraiment, ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voyez, je vous disais un peu surpris, il y a le côté surpris aussi. Donc, le message, il est très clair. L'autre message qu'on peut capter ici aussi, c'est que de toute façon, vous recevez des nouvelles concrètes, des bonnes nouvelles. Voilà, on a un esprit positif ici. Des bonnes nouvelles, mais dans tous les cas, sachez que tout ce que vous allez recevoir comme nouvelles, c'est envoyé d'une certaine manière par vos guides. Hein. C'est le moyen que les guides trouvent pour s'adresser à vous, pour vous montrer pardon, leur présence, leur soutien, ouais, c'est ça, avant tout leur présence en fait. Hein. C'est pour vous reconnecter aussi à cette magie, la magie de l'univers, la magie de la vie, la magie dans ce qu'elle représente de plus beau. Voilà, les amis. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, partager et surtout me laisser un petit commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de lire vos ressentis, de partager ensemble. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon mois de février. Prenez bien soin de joues. Oui, je vous fais des bisous sur les joues et je vous embrasse. À bientôt. Salut. Alors, on continue avec qui? Eh bien, avec le signe de la balance. Signe de la balance. Ok. Alors, signe de la balance, ce que je ressens pour vous, alors j'espère vraiment que les cartes vont aller dans ce sens, parce qu'il y aurait deux interprétations possibles déjà, enfin, comment dire, oui, en fait c'est ça, deux interprétations possibles. Alors c'est vrai que je vais en privilégier une, et j'espère vraiment que les messages aussi qu'on va recevoir complémentaires vont aller plutôt dans ce sens. On verra, j'ai pas envie de découvrir, je préfère me centrer sur ma première intuition. Alors, il y a l'idée pour vous, les balances, d'une manière générale, durant ce mois de février, d'harmonie, d'harmonisation, de justement trouver un certain équilibre. Il y a le chiffre 2 qui ressort pour vous, j'ai surtout le chiffre 2. Il y a un renouveau, et notamment en particulier justement deux, mais qui ne sont pas dans la dualité ou dans la contradiction ou quoi, mais qui sont plutôt dans l'union, dans le rassemblement. C'est pour ça que j'entends le mot harmonie. Et ça va certainement surtout se jouer sur le plan relationnel. Peut-être sentimental, mais relationnel dans son ensemble. Amis, famille, etc. Il y a des choses qui s'harmonisent, des conflits peut-être qui se règlent, etc. Alors, vous avez Finding Sanctuary, Opening to your spiritual source. Alors, trouver un sanctuaire, se trouver un sanctuaire. Donc déjà, si on parle d'atmosphère générale, d'harmonie, vous voyez, si on est dans un sanctuaire, on est bien, on se sent bien, on est plutôt dans un état d'esprit apaisé, tranquille. Sanctuaire, vous voyez, c'est calme, c'est paisible. Donc juste en termes d'atmosphère, notamment avec les autres, sur le plan relationnel, pour beaucoup, ça va jouer, on est sur ces énergies-là. Hein, d'harmonie, de communication efficace et calme, posée, apaisée, apaisement en fait. Il y a vraiment un apaisement avec cette notion de sanctuaire ici. D'une manière générale, apaisement. Opening to your spiritual source. Et ça sera important, c'est peut-être un conseil aussi, une guidance, un conseil, de vous trouver des moments justement pour vous retrouver dans votre sanctuaire. Pour vous retrouver, que ce soit chez vous, que ce soit dans votre pièce, que ce soit vous accorder certains moments où vous pouvez vous connecter à vous-même, à votre spiritualité. Hein? Vraiment, tout ce qui vient nourrir votre spiritualité sera favorisé et sera très enrichissant et important aussi pour vous durant ce mois de février. Alors, je vais boire un petit peu. Je vais approcher la carte parce que je vois pas tout très bien et j'essaie de voir s'il y a autre chose qui vient avec l'image notamment. Alors oui, vous aurez quand même... Vous voyez, d'ailleurs, il y avait cette notion, je vous ai parlé d'équilibre, d'harmonie, ça c'est vrai, et d'équilibre. Mais justement, vous allez être beaucoup plus conscient des moments où vous avez besoin de partager. Il y aura vraiment des élans comme ça de, voilà, de communion avec l'extérieur, et aussi avec la vie extérieure, le monde extérieur, les autres, etc. Et aussi des moments, besoin de communion avec soi. Donc trouvez le juste équilibre, vous voyez. Mais c'est pas l'un ou l'autre, vous voyez, c'est pas deux dans la dualité. Est-ce que je dois être comme ça ou comme ça? Non, c'est justement savoir sur quel pied danser. S'écouter pour savoir qu'est-ce qu'on ressent, de quoi on a envie, de quoi on a besoin sur le moment, véritablement. Donc c'est vrai que vous allez être très sollicité à l'extérieur, mais pour des bonnes choses, hein. Enfin voilà, rien de négatif dans tout ça. Beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, c'est enrichissant, c'est nourrissant, etc. Mais vous aurez aussi besoin de ces moments, d'équilibrer avec ces moments où on se retrouve un peu dans sa tour. Non pas pour être seul, c'est pas dans sa solitude, c'est dans sa tour, dans son sanctuaire, vous voyez, il y a quelque chose de très spirituel dans le sanctuaire, je sais pas comment dire autrement en fait, trouver les mots justes, les plus justes peut-être, c'est pas grave, vous avez compris l'idée, ces moments de reliance, à soi, de reliance au divin, au guide, aux anges, etc. Très très important. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Cherishing self. Vous voyez, se privilégier, se faire du bien, se chérir, en fait. C'est se chérir soi-même, hein, se faire des cadeaux, se faire plaisir. Dans cette carte, de façon, il y a beaucoup la notion de plaisir qui ressort. Donc, soit c'est un plaisir qu'on partage, voyez, comme un bon repas avec des amis, on a invité des gens, ils nous ont emmené un petit cadeau, etc., pour nous remercier, ou voilà, parce que... Ben voilà. Et dans tous les cas, voilà, il y a la notion de partage, de plaisir, mais aussi ne pas s'oublier soi dans l'histoire, vous voyez, cherishing self. Self, ça veut dire soi-même, soi. Et I accept and love myself. Donc j'accepte et je m'aime. Je m'accepte et je m'aime. Je m'accepte et je m'aime. Ça, c'est là ce qui me vient, c'est que c'est comme un mantra, quelque chose que vous pouvez vous répéter le matin, le soir, autant de fois que vous voulez par jour, à chaque fois qu'il y a un coup de mou ou quoi qu'il se passe. Ça, c'est un mantra extrêmement puissant là pour vous, les balances, pour ce mois de février. Je m'accepte et je m'aime. J'ai même envie de dire, j'ai envie de rajouter un mot, moi c'est totalement. Je m'accepte et je m'aime totalement. Et... voilà, justement, moi aussi je m'accepte et je m'aime. Désolé pour cet éternuement, il est venu spontanément. Voilà. Donc là aussi, il y a peut-être des synchronicités, vous voyez, pas le fait que j'ai éternué, mais... le fait d'être soi, en fait, de s'accepter, voilà, tel quel, sans avoir peur, justement, de... En fait, voilà, n'ayez pas peur de sortir d'une certaine zone de confort, de sortir, justement, d'un certain isolement. C'est le message que j'entends, là. Alors, j'ai pas d'autres choses qui viennent, ça vient brut. De manière brute. Comme si aussi, pour certains, vous avez besoin de descendre de cette tour-là, de descendre de cette tour qui vous isole et justement aller à la rencontre des autres, parce qu'il y a tellement de belles choses à partager et vous allez être surpris, vous allez être agréablement surpris si vous faites ce pas-là, ce pas en avant, oser. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette guidance aura résonné avec vous, n'hésitez pas vraiment à liker, partager et me laisser un petit commentaire, ça sera avec grand plaisir. Voilà, un commentaire bien sûr sur vos ressentis. Je vous souhaite le meilleur mes amis les balances, prenez bien soin de vous et je vous embrasse, plein de bisous. Alors, je continue, je sais plus à quel signe j'en suis, enfin combien j'en ai fait déjà, c'est pas grave. Bon, on va découvrir de toute façon. Alors, nous avons Aquarius. Donc, Aquarius, le Verseau. Verseau, donc solaire, ascendant ou lunaire. Alors, est-ce que j'ai déjà des messages qui me viennent avant de découvrir vos cartes oracle? J'ai quelque chose pour vous, oui. Il y aura certainement besoin, et c'est d'ailleurs le chemin que vous allez prendre aussi, je pense, hein, il y a le besoin, mais je pense que vous en êtes conscient de ça, de remettre un peu d'ordre, de remettre de l'ordre, de remettre un cadre, peut-être remettre de l'ordre dans ses priorités. Vous voyez, vraiment, c'est ça, c'est prioriser les tâches que vous devez faire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, pour pouvoir avancer plus vite. Il y a besoin d'une structure, d'une meilleure organisation, j'entends, peut-être par rapport à vos projets, peut-être dans votre quotidien. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on parle de structure, d'ordre, et j'entends aussi pour les Verseaux, éviter la dispersion. Hein. C'est justement pour ça qu'il y a besoin d'ordre. C'est parce que peut-être que vous pouvez avoir l'impression que ces derniers temps, vous saviez pas trop où vous alliez, c'était, il y avait peut-être... Peut-être pour certains de la confusion, et sinon pour d'autres, l'impression que ça allait dans plein de directions. Moi j'entends ça, ça va dans plein de directions, le mental ne sait plus forcément où donner de la tête, voilà. Et en fait, on avait eu l'impression peut-être soit de ne pas avancer, soit qu'il y avait des retards, etc., etc. Et on vous dit ici, c'est parce qu'il y a besoin justement de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui compte vraiment pour vous, et de mettre une stratégie, éventuellement, des actions à mettre en place, mais de prioriser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les oracles? On a Narrow Pathway. Alors, on a l'idée d'un pont ici. On a l'idée d'un pont, vous voyez, donc, un pont, un passage... Un passage, ici, on ne sait pas où on va, on ne voit pas trop sur la carte. Hein. Voilà. En tout cas, on s'élève. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une montagne, donc on s'élève, il y a une progression à venir, il y a quelque chose comme ça, mais c'est comme si vous aviez quand même le défi ce mois-ci. Il y a un défi qui est représenté par ce pont. Voilà. Ce pont qui peut être un peu vertigineux, qui peut être un peu instable aussi, vous voyez, et qui peut être... qui peut faire peur, hein, qui peut faire peur, justement. Donc déjà, il y a vraiment la notion de être dans une transition, dans un passage. C'est important de continuer d'avancer, pas à pas, d'accord? Et voilà, retenez aussi tout ce qui vient symboliquement avec cette image. Hein. Donc, comme je vous ai dit, je parlais de peur, d'instabilité, etc. C'est normal, ça vient pas de vous forcément, ça vient du pont. Hein. C'est le pont qui est comme ça, mais qui amène peut-être des émotions, des ressentis qui viennent nous prendre aux tripes comme ça. Donc, le but, c'est pas de rester bloqué, c'est de continuer d'avancer, mais j'ai le sentiment qu'il y aura besoin d'être très concentré sur ce que vous faites, d'accord? Et pas justement sur ce qu'il y a autour, sur des distractions, se disperser, c'est ça, à droite, à gauche, dans les tâches, avec les réseaux sociaux ou avec le monde extérieur, mais d'être concentré, pas après pas, là où vous voulez aller. Vous voyez, étape par étape. Il n'y a pas besoin de projeter très loin, il n'y a pas besoin de voir déjà là, le bout du tunnel, ou l'arrivée, le point final, la destination. C'est important de voir où on met les pieds, surtout. C'est ce que je ressens pour vous. Alors, c'est très symbolique, là, de la manière dont me vient la guidance pour vous, les Verseaux, mais voilà, je pense que ça résonnera avec vous, et essayez de comprendre qu'est-ce que ça vient vous dire, ici, là, ce message. Vous, par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous traversez personnellement. Alors, on a aussi Starting Fresh. Donc, Starting Fresh, vous voyez, un nouveau départ ici qui s'annonce. Wonderful, donc un magique nouveau commencement est en train de blossoming in my life, donc de grandir, de croître, de naître, de s'épanouir dans ma vie. C'est ce que nous dit cette carte, telle qu'elle, mot pour mot. Donc, on voit bien ici qu'il y a quelque chose de très beau, de nouveau, d'épanouissant, d'enrichissant, une nouvelle énergie qui veut s'inviter dans votre vie. Hein. C'est ce qui vous attend au bout de cette passerelle, parce que c'est un passage, c'est une transition, c'est ce que je ressens ici comme les cycles naturels de la vie. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça, vous voyez là, on est par exemple... Moi je pense que vous venez de là en fait, vous venez de ce paysage-là. On est plutôt sur l'hiver, sur la nuit, voilà, la nuit, donc on voit pas clair, on sait pas trop où on va, c'est pas forcément... comment dire, très sécurisant, réconfortant, mais on voit quand même aussi à côté de la Lune une grande étoile, donc si on se concentrait justement sur l'étoile, c'est la guidance, on a l'espoir, etc. Donc malgré, je dirais, là, ce de quoi vous venez, pour moi c'est le passé ici, y avait toujours l'espoir. Et justement, c'est cet espoir qui donne naissance à cette nouvelle énergie qui arrive là, avec ces fleurs qui poussent, c'est comme si c'était le printemps, c'est... voilà, il y a un oiseau migrateur ici, donc on va vers du nouveau, on va, voilà. C'est très symbolique, j'ai pas trop envie de plus le détailler, je trouve que faut que vous laissiez l'image vous parler aussi. Mais ça correspond bien à cette transition, vous voyez, ce pont, cette transition, ce passage qui doit arriver dans votre vie, qui est naturel. Hein, naturel, et puis, bon... même si j'aime bien la nuit, la lune, etc., par exemple, moi je ressens pour vous, les Verseaux, que vous préférez être là que là, d'accord? Et donc justement, on vous dit bien qu'il y a un cycle qui s'achève, celui-ci, pour pouvoir accueillir ce nouveau cycle-là, starting fresh, et qui va vers l'avant, qui va dans une dynamique où, ouais, vers l'avenir, quoi, vers l'avant. A wonderful, donc c'est magique, merveilleux, new beginning, nouveau commencement, est en train de fleurir dans votre vie. Voilà les amis, donc bah écoutez, c'est un super tirage pour vous, j'espère que ça aura résonné, n'hésitez pas surtout à partager vos commentaires dans les ressentis, à partager autour de vous aussi cette vidéo si vous souhaitez, un petit like pour m'encourager, moi je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis surtout à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles annonces, salut salut! On continue avec, alors, nous allons le savoir tout de suite, avec quoi, qui êtes-vous? Je bois un petit peu. Et c'est parti! Alors, nous avons les Léos. C'est qui les Léos? C'est les Lions. Coucou les Lions. Signe, alors, signe astrologique, Lion. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? J'ai un premier message, un peu comme les autres, ça me l'a fait beaucoup dans cette vidéo, donc je vous le livre comme ça, tel quel, avant de découvrir les oracles. J'ai cette idée d'être vraiment bien guidé. Les Lions, vous êtes bien guidé, vous savez peut-être pas trop où vous allez, vous aurez peut-être du mal à vous projeter sur le long terme, hein, mais vous y allez avec confiance. Moi, je ressens beaucoup le chakra du plexus solaire, avec confiance dans le chemin qui va vous être proposé par la vie, par vos guides, ce qu'on va mettre sur votre chemin, et aussi sur votre capacité, sur vos ressources même, sur vos forces intérieures à pouvoir... voilà, gérer tout ce qui se présentera en fait, d'accord? Vous vous sentez guidé, vous vous sentez ouais, poussé comme ça, peut-être sur un chemin, mais il est possible que ce soit un peu flou, hein, vous n'ayez pas une destination claire, un objectif clair, un rêve clair, mais il y a quand même cette notion de confiance qui ressort. Alors, on a vaste... Vistas, expand your horizon, donc élargir ses horizons. Alors attendez, je vais juste prendre un petit peu le temps parce que avec vaste vistas, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, c'est pas important, mais ça a résonné en moi avec quelque chose. Alors c'est peut-être comme si c'était du latin. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, hein, vaste vistas, mais il y a une Ah, c'est difficile à dire. Peut-être qui vivra, verra. Voilà, c'est ça. Qui vivra, verra. Je ne sais même pas si c'est du latin d'ailleurs. Bon, peu importe. Écoutez, je ne vais pas me justifier. Je vais essayer au mieux de vous transmettre là, un message qui m'est venu en lisant le nom de cette carte. Vas-y. Donc déjà, je pourrais traduire ça comme ça. Qui vivra, verra. Donc en gros, on vous dit justement, même si vous ne savez pas où vous allez, ce qui est important, c'est que vous prenez conscience du chemin, de chaque instant sur le chemin, parce que c'est en arpentant le chemin que vous allez découvrir, que vous allez apprendre, que les choses vont se révéler à vous. Voilà, je pense que c'est ça le principal message qu'on veut vous transmettre. Et je crois qu'il y avait un autre truc en latin, mais je sais plus. Vas vistas. Ah, ça me dérange parce que j'ai mis le doigt dessus. C'est très difficile à vous exprimer mon ressenti. C'est comme si j'avais quelque chose en latin qui voulait venir et que je pourrais traduire aussi après, mais j'arrive pas à savoir exactement ce que c'est. Bon, je vais pas forcer. Vous voyez, peut-être, c'est le signe aussi, et c'est la synchronicité pour vous dire... Il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à forcément à chercher à comprendre pour vous les lions durant ce mois. Sachez juste que vous êtes quand même guidés, d'accord? Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, il y a un nouveau départ, un nouveau chemin. En fait, voilà, ne restez pas bloqués peut-être sur certains détails. Sachez, en fait, abordez juste ce chemin avec confiance, cette aventure, ce mois de février d'une manière globale, avec confiance. Donc, expand your horizon, vous voyez, on veut élargir en fait votre horizon, votre champ de perception, votre champ de conscience aussi, c'est ce que je ressens. Alors pour l'instant, ça m'a fait que pour vous, ça, là, je sais pas, c'est pas comme si je buguais, mais c'est comme si... Il y a quelque chose qui veut venir, je l'ai sur le bout de la langue, j'ai presque le ressenti, mais j'arrive pas à le matérialiser, j'arrive pas à l'exprimer clairement. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que c'est pas grave, et quelque part, c'est juste que ça me transmet le message pour vous que justement, si vous vous retrouvez dans cette situation par rapport à une personne, par rapport à une problématique, au professionnel, au sentimental ou quoi, justement, il n'y a pas peut-être de sens à comprendre, à chercher. C'est pas grave de pas savoir où vous allez, ce qui est important c'est d'avancer, d'accord? Et d'avoir confiance dans ce que la vie vous réserve comme cadeau et comme surprise. Voilà ce que j'entends. Ah, vous voyez, on a aussi expecting miracles, donc s'attendre à des miracles. Miracles are blossoming in my life. Donc des miracles sont en train de faire surface, de jaillir dans votre vie. Vous voyez donc, il y a quelque chose, moi c'est ce que je ressentais en fait pour vous dès le début, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a vraiment l'idée d'une préparation ici, de choses magnifiques, de choses vraiment très très belles à l'image de cette carte, à l'image de cette... de cette image, de cette représentation, vous voyez, quelque chose qu'on accueille avec gratitude ici, de la lumière, on a beaucoup de violet aussi, on a le symbole là pour moi de réussite, de récompense, de reconnaissance, donc ça c'est tout ça, ce sont des choses qui vont arriver. On a le violet, oui, et je vois le chakra du troisième œil et le chakra du coronal, particulièrement, la spiritualité, le développement personnel, tout ça. Voilà, c'est un mélange, hein, bien sûr, il y a beaucoup d'énergie ici que je ressens, mais en fait, sachez que, enfin là, on vient vous rassurer, même si vous êtes parfois dans le trouble, vous ne savez pas trop où vous allez, où est-ce que la vie vous emmène, qu'est-ce qu'elle vous réserve, eh bien c'est ça. Là, on vient vous... Comment vous dire, vous rassurer, sachez qu'il y a des miracles qui sont en chemin, d'accord? Qui vont élargir beaucoup de choses, ouvrir beaucoup de choses, amener beaucoup de choses dans votre vie d'une manière générale. Mais, voilà, c'est très important juste de garder la confiance. Parce que si on perd l'espoir, la confiance, et qu'on oublie de remercier la vie pour ce qu'elle nous apporte déjà, à chaque instant, à chaque moment, eh bien, quelque part, on peut se couper d'accueillir, c'est ça, d'accueillir ces récompenses, d'accueillir ces miracles et bénédictions de la vie. Voilà les amis les lions, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas surtout si ça vous a plu à liker, partager autour de vous cette vidéo et surtout n'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires, ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous. Alors on continue avec les amis les Scorpion, Scorpion, c'est à vous. Alors, Scorpion. Alors, c'est intéressant parce que déjà, on a avec cette carte Scorpion, I transform, je transforme. Donc, j'ai le sentiment vraiment, en plus, on est sur le chiffre 20 et donc ça vient en numérologie, ça pourrait faire le 2 aussi, on enlève le 0, enfin voilà, on revient sur le chiffre 2, la vibration du 2, et on est sur le mois de février, le deuxième mois de l'année. Donc il y a quelque chose d'important, j'ai l'impression, qui se passe pour vous, les scorpions, en termes de renaissance. Déjà, ce mot de la renaissance, c'est un mot qui vous caractérise beaucoup, les scorpions, et c'est le mot-clé qui me vient là. Voilà, si je devais résumer déjà un seul truc pour ce mois, et on s'arrête là, ça suffit, c'est il y a une renaissance. Donc, renaissance, ça veut dire renouveau aussi. C'est renaissance, il y a l'idée de quelque chose qui était peut-être après une phase de deuil, symbolique ou non, peut-être après une phase de mort symbolique ou une phase de perte, là aussi symbolique, eh bien, il y a quelque chose qui peut renaître de ça. Hein, que ce soit dans une relation professionnelle ou quoi, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Il y a quelque chose qui se transforme, justement. Vous voyez, une énergie qui part, ou une énergie qui se transforme, en fait. C'est difficile à traduire autrement. Hein, mais ça amène une renaissance, pour vous, en tout cas. C'est une mutation, donc comme le papillon un peu. Vous voyez, le papillon, il y a la chenille, mais c'est pas deux êtres différents, c'est quelque chose qui a évolué. Donc dans tous les cas, c'est progressif, c'est constructif, c'est une évolution. C'est une renaissance, mais c'est une évolution qui vous attend. Donc c'est extrêmement positif, sachez-le. Alors, vous avez « Uncovering treasure », donc « découvrir des trésors ». Sous la surface lies great bounty, donc sous la surface des choses se tapissent, se cachent des grandes richesses, des grands trésors. Hein, donc il y a l'idée qu'à travers cette renaissance, il y a des très belles choses qui arrivent. Hein, ici, vous voyez, on a un coffre ouvert quand même, avec plein de bijoux, de la richesse, des choses... voilà, c'est beau, quoi. Hein, c'est vraiment beau. Donc il y a de la beauté qui vous attend, voilà, vous allez aussi, vous, par cette renaissance, symboliquement ouvrir ce coffre, découvrir ce coffre, peut-être. Alors j'ai aucune idée, vraiment, je vous le dis, aucune idée de à quel domaine ça s'applique. Hein. Par contre, ce que je ressens là vraiment, c'est intérieurement. Là, il y a quelque chose, vous voyez, qui justement qui se transforme, peut-être par rapport à des peurs, des fois des choses qu'on appelle des défauts, etc. Il y a une force, en fait, qui jaillit de tout ça. Une grande force, des capacités. Voilà, vous vous révélez, vous vous réveillez aussi. J'entends, vous vous réveillez. Donc, il y a un éveil aussi spirituel accompagné de ces énergies durant ce mois de février pour vous, les amis. C'est pas facile à mettre le doigt exactement sur ce que c'est, parce que c'est des énergies très subtiles, très... il y a quelque chose de très, j'entends, mystérieux, mystique durant ce mois. Je ressens fortement la présence de l'Égypte antique aussi, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est juste pour certains, mais dans mes énergies là, ça m'envoie quelque chose, vous voyez, avec les pharaons, avec les momifications, avec... le sarcophage, vous voyez, même moi, je dis les mots, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, c'est juste une énergie, quoi, mystique, on va retenir ça, voilà. Il y a quelque chose de mystique qui se passe dans cette renaissance, hein. C'est pour ça que ça vient toucher quand même beaucoup le plan spirituel. En tout cas, attendez-vous à découvrir durant ce mois. Donc, vous voyez, découverte, hein, découvrir un trésor. Donc, on découvre quelque chose qui était caché, quelque chose qui était mystérieux, hein, quelque chose qui était enfoui, peut-être aussi en soi. Et c'est merveilleux, quoi, ce qu'on découvre, hein. Donc, de cette transformation, de cette renaissance, de ce réveil, de cet éveil, pour certains, il y a quelque chose de très, très beau qui émerge. Et on a aussi, pour vous, « making a difference », donc faire la différence, faire une différence. « My inner light shines far and wide », donc ma lumière intérieure brille au loin et de manière... Enfin voilà, en fait on s'en fiche du reste, mais ma lumière intérieure brille. Donc vous voyez peut-être qu'il y a une différence qui se fait, parce que vous changez, peut-être que c'est une renaissance, que c'est vous en fait cette renaissance. Vous incarnez cette renaissance, vous incarnez ce renouveau. C'est une nouvelle renaissance, donc ça veut dire c'est une nouvelle naissance pour vous, une nouvelle façon d'être, de se voir aussi, de vous apporter de l'amour, de vous aimer, d'apprécier qui vous êtes, vos qualités, vos faiblesses aussi, tout ça se transforme en fait. Hein? Il y a une différence, vous voyez, il y a une différence qui se fait, un passage spirituel qui se fait durant ce mois de février. Et là, on voyait trésor qui brille ici, my inner light shines, donc ma lumière intérieure ici qui brille. J'ai essayé de voir avec l'image aussi, la représentation, qu'est-ce qu'on a. Alors, avec le symbole de la bouche, vous voyez, pour moi c'est l'amour de soi. Ici, que je ressens, l'amour de soi. Et là, on se libère, en fait. Voilà, on se libère de quelque chose. Je vous parlais de deuil, de perte. Moi, j'y vois comme une acceptation aussi par rapport au passé. On laisse aller des souvenirs. C'est ça, ouais. C'est, si je résume, acceptation, pardon... et bien sûr ça amène, voilà, c'est ça qui fait la différence peut-être justement, c'est peut-être cette acceptation, le pardon, et peut-être par rapport à des parts d'ombre aussi, j'entends pardon mais j'ai entendu part d'ombre, donc tout ça, c'est ça qui fait une grande différence pour vous durant ce mois de février et qui vous amène à, voilà, en fait à beaucoup plus kiffer la vie et surtout vous aimer davantage, hein, et c'est ça qui va vous révéler aussi à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle, à quel point vous avez une belle âme, à quel point vous avez à offrir, vous avez toutes ces richesses en vous, ces capacités aussi, peut-être ces dons pour certains. Parce que je vous parlais de l'égite, etc. Voilà les amis. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas surtout, si c'est le cas, à liker. C'est important pour la vidéo, pour la chaîne, pardon. Partagez cette vidéo, ça c'est important pour les gens, pour les autres. Et puis laissez-moi un petit commentaire pour vos ressentis, ça sera avec plaisir. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles annonces, de nouvelles vidéos, de nouvelles choses. C'est parti, à bientôt. Alors, on continue, je ne sais plus combien il me reste de signes. On continue avec vous, donc, les taureaux. Taureaux, mes amis, les taureaux. Alors, taureaux, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quelles sont les énergies d'un point de vue global, général, pour ce mois de février? On a ce petit renard, Wandering Pass. Enjoy the journey. Donc, enjoy the journey, c'est important déjà comme message. C'est un message de sagesse qui nous rappelle, qui vous rappelle, les taureaux, d'apprécier quelque part le moment présent et le chemin. Hein, on a ici un renard, vous voyez, qui se pose des questions, hein, qui est devant une carte au trésor. Là, peut-être, on a un objectif à atteindre, un rêve. Et lui, il a les yeux focalisés sur la destination. Comment je vais faire pour y arriver? Quel chemin je dois prendre? Mais il y a déjà un rappel ici, avant d'aller plus loin dans la guidance, que le plus important, c'est le chemin en tant que tel. Peut-être que ce qui sera même plus enrichissant, plus formateur, plus initiateur pour vous, c'est le chemin, ce qui va se passer, les personnes que vous allez rencontrer, les les obstacles, même des fois les défis que vous allez rencontrer sur le chemin, tout ça, c'est ça qui est plus important que la destination. C'est pour ça qu'il faut prendre du plaisir, même si vous n'êtes pas encore là où vous voulez être, par rapport aux changements que vous souhaitez, les projets que vous avez. Vous allez y arriver parce que moi, je vois qu'il y a tous les éléments, il y a tous les ingrédients ici. On a la carte, on a le petit tracé qui indique bien le chemin qu'il faut prendre, et en plus, on a une boussole. Donc en fait, pour moi, ça veut dire que déjà, vous allez avoir un objectif clair, d'accord? Un but, un trésor à aller découvrir, voilà, c'est la carte au trésor, quoi, ici. Là. Mais ne vous laissez pas non plus trop absorber par les projections mentales, par l'ego, c'est ce que j'entends. Voyez ça plutôt comme un jeu, comme justement une chasse au trésor, une quête, voilà. Et on va prendre du plaisir justement en le voyant comme ça. D'accord? J'espère que ça vous parle déjà pour le moment. Dans tous les cas, voilà, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que de toute façon, il n'y a pas de crainte à avoir parce que vous avez absolument tout ce qu'il faut. Vous avez même la sagesse et l'intelligence nécessaires à l'image du renard pour trouver votre chemin et accéder à votre destination et à votre but. Hein ? Donc, c'est qu'une question de temps. Et de toute façon, voilà, pour moi, c'est comme si, en gros, c'est sûr et certain que vous allez y arriver. Je ne sais pas arriver à quoi, ça va être différent pour chacun, sentimental, professionnel, un grand rêve, etc., etc. C'est sûr que vous allez y arriver. Ce qui va déterminer, ça va être la durée, hein, la durée du voyage. Pour certains, ça va prendre une semaine, d'autres 3 mois, d'autres 10 ans, j'en sais rien. Bon, voilà, là, c'est ce qu'on veut vous dire d'une manière générale. C'est pas que sur le mois de février, d'accord ? Mais il y a l'idée ici de toute façon, comme on sait très bien la destination, et que ça va être bénéfique, ça va être positif, c'est tout ce que vous voulez, enfin c'est génial, puisque c'est ce que vous voulez. Hein. Il ne va pas dans cette quête parce que on lui a imposé, c'est un choix conscient. Mais en fait, comme de toute façon, ça c'est sûr, autant faire que le voyage, le parcours, le chemin que vous allez entreprendre, il soit joyeux. C'est ça qui est important et sur quoi l'accent va être mis durant ce mois de février. Ok les amis? Donc profitez du voyage, voilà, profitez du voyage, profitez de chaque instant, de tout ce qui se présente, des rencontres, des fois, oui, comme je vous ai dit, ah tiens, il y a un défi, je sais pas moi, il y a une rivière à passer, ah tiens, il y a un pont, tiens, il y a... je sais pas, il y a des endroits où il faut faire attention aussi parce qu'il peut y avoir peut-être des ennemis ou des tribus ici dans les montagnes par exemple à ce niveau-là. Bon, on sait qu'il faudra faire attention à ce moment-là, peut-être... voilà, il y a la notion aussi de stratégie et de planification, d'accord? Puisqu'on sait où on veut aller, c'est important de s'organiser, c'est important de planifier... mais de pas trop se projeter en fait, voilà, planifier ça veut juste dire bon ok, je vais faire dans cet ordre là, j'essaye d'avoir au moins quelque chose qui me rassure parce que j'ai un plan, hein? Justement, j'ai un plan, ça c'est important pour atteindre l'objectif. Et alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Giving birth, donc donner naissance à quelque chose qui prend racine, quelque chose qui prend naissance, qui nous ramène aussi à l'idée de création ici, créativité ou création. I am bringing forth new and dynamic energy into the world. Donc j'amène de la nouvelle énergie dynamique dans le monde. Ou dans votre monde. Hein, c'est pas forcément vous faites quelque chose en mode service total pour le monde extérieur, c'est vous amener une nouvelle énergie pour vous dans votre monde. Hein, donc il y a l'idée ici avec la naissance de nouveaux départs, vous voyez, on est dans l'œuf ici, donc il y a quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va commencer, qui va démarrer. D'accord ? C'est un potentiel en devenir aussi. Qu'est-ce qu'on a avec cette image? Donc on a une personne qui est comme dans un œuf. Moi, je pense à un œuf ici, ou un cocon pour certains. Je pense qu'il y a un appel vers plus de liberté, un appel à plus de liberté. Un appel, peut-être que c'est ça en fait l'objectif aussi, ou ce qui va pour beaucoup en fait représenter la destination, c'est que vous allez vers un épanouissement, vers une nouvelle vie en fait, hein, une nouvelle vie qui correspond à vos rêves, à plus de liberté, plus de paix aussi, intérieure. Donc c'est peut-être aussi un objectif qui concerne vous avec vous-même, votre croissance personnelle, votre développement personnel ici. Donc on a quand même ce mot-clé de la naissance. Naissance, avec tout ce que ça symbolise derrière. Ça symbolise aussi, vous voyez, de prendre soin, ça symbolise de, voilà, de faire attention à chaque étape du processus de naissance, donc du chemin aussi. Et puis, voilà, naissance, il y a quand même l'idée derrière de quelque chose de beau, de quelque chose de pur, de quelque chose de joyeux qui va émerger de cette situation pour vous. Voilà les amis, et eh bien c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, likez si vous avez aimé, partagez autour de vous, c'est important aussi pour que ça puisse aider d'autres personnes, guider d'autres personnes. Moi je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, salut salut. Alors on continue avec vous les amis, alors j'en ai trop pris. Vous, le signe, quel signe il nous reste? Je ne sais même plus. J'ai l'impression qu'il en reste que 2, voilà. Donc vous êtes les avant-derniers. Et alors, il s'agit du Sagittaire. Signe du Sagittaire. Alors, signe du Sagittaire. J'entends déjà des choses pour vous. J'entends la notion de temps, de temporalité. On vous dit de ne pas vous inquiéter pour la temporalité. J'entends des phrases brutes comme ça, je les balance telles quelles. Hein. Les premiers seront les derniers. Ce qui est important, c'est pas justement la vitesse. Je sais pas, hein, pour l'instant, je vais pas analyser ce que j'entends. J'entends ça, donc je vous le partage, boum, tel quel. C'est que ça doit se faire et que ça doit résonner pour vous. Alors, on va quand même essayer d'analyser un petit peu. J'entends que de toute façon, vous allez arriver à votre objectif. Vous allez de toute façon arriver à la destination. Peut-être qu'il ne vous reste pas grand-chose aussi en termes de chemin à parcourir. Il manque peut-être... Moi, j'ai la notion de une étape pour certains. Il manque une étape avant d'accueillir dans votre vie un certain accomplissement, un certain aboutissement, une réussite, une transformation, voilà, quelque chose dont vous pourrez être fier aussi. C'est très important. Je ne sais pas ce que ça concerne, c'est à vous de voir comment ça vous résonne là, ce message, mais on vous dit, voilà, gardez le cap, gardez votre objectif en ligne de mire, et ne vous découragez pas par rapport à la temporalité, parce que les choses, elles sont plus près que ce que vous croyez. Bon, voilà, alors, ça ne m'a pas fait trop pour les autres, j'ai un message comme ça brut que je peux même pas trop interpréter, juste j'entends ça, je ressens ça, donc je vous le partage. Et bah voilà, c'est juste. Donc j'espère que ça vous parle. Et puis j'espère aussi que les cartes vont quand même nous aider à peut-être comprendre un petit peu ce message. Alors, on a View from above. Above, get the big picture. Ok, ok. Alors, je vais voir un petit peu. Alors, c'est intéressant parce que là, view from above, ça veut dire voir peut-être avec du recul. Get the big picture, donc c'est voir la peinture globale, vous voyez, voir ne pas focaliser sur des détails, mais voir dans son ensemble, dans sa globalité. Avoir, vous voyez, quand on est centré, par exemple, je sais pas moi, bah oui, on peut prendre ça. Voilà, on va prendre, je sais pas quoi prendre, mais je vais prendre l'image qui est devant moi. Là, si on est par exemple juste devant le château, voilà, comme lui là par exemple, on regarde ici, bon, on a un certain point de vue, on a une vision, on a un champ de perception aussi, d'accord? Mais plus on s'élève, plus l'image, elle s'agrandit. Et on voit d'autres choses, des choses qu'on ne voyait pas justement avant. On perçoit l'environnement autour, on perçoit tout un tas de choses. Donc en fait, ici, c'est un conseil en même temps pour vous, les Sagittaires, pour voilà, avoir une vision d'ensemble de votre situation. Je vous disais tout à l'heure, en fait, regardez, ne pas focaliser sur peut-être la temporalité. Ça, c'est un détail, par exemple, par rapport à ce que vous souhaitez, etc. Comment je peux vous le traduire autrement, là, ce que je ressens? Alors, je vais prendre le temps, éventuellement. En fait, c'est important que vous restiez fixé sur vos objectifs, d'accord? Ça, c'est important. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi tout ce qui est à côté, d'accord? Et parfois, quand on est trop centré sur notre objectif et ce qu'on veut, eh bien justement, en fait, qu'est-ce qu'on attire? Parce qu'on ne l'a pas, vous voyez, on veut forcément quelque chose qu'on n'a pas encore. Mais en fait, on peut vibrer sans s'en apercevoir le manque, on peut être dans le jugement, on peut, voilà, tout un tas de choses. Et j'ai l'impression que ça peut venir bloquer d'une certaine manière les énergies, et justement, c'est ça qui va influencer la temporalité. En fait, on vous dit, durant ce mois de février, que vous avez un pouvoir d'action très concret sur la temporalité de ce qui est prévu pour vous ou de ce que vous désirez. Mais pour cela, il faut prendre du détachement, il faut être dans un certain lâcher-prise. Dans un certain lâcher-prise, juste savoir que vous avez des intentions claires, ça c'est très important. Voilà. Les intentions, les demandes que vous formulez, ce que vous souhaitez, voilà. Vous savez la cible, vous savez l'objectif. Mais après, vous lâchez prise sur tout ça et vous observez ce qui se passe. Hein, au quotidien, les signes qu'on va vous envoyer aussi, c'est très très important. Et vous allez voir que vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée, j'entends. Vous en êtes vraiment pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Coming into power. Donc, peut-être l'arrivée de la force, du pouvoir. Il y a une illumination ici sur cette carte. I step into my power boldly and confidently. Donc je reste dans mon pouvoir de manière confiante, en gros. Donc vous voyez, ce personnage, pour moi, il est dans la foi. Hein, il est dans la foi, il est dans la confiance. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est très important de cultiver ça intérieurement, justement. Ça, c'est des énergies qui vont amener à vous de la lumière, des bénédictions, des miracles, une illumination, etc. Peut-être même un éveil sur le plan spirituel, ici. Mais c'est important de comment dire? De comprendre que vous avez un véritable pouvoir d'action sur les changements que vous souhaitez, sur les rêves que vous aimeriez voir se manifester, se concrétiser. C'est important d'avoir confiance dans vos désirs et dans votre capacité, dans vos ressources à réaliser ces désirs. À les faire jaillir dans votre réalité. Hein, il y a quelque chose qui arrive, de toute façon, on le voit ici avec cette pleine lumière là, qui illumine ce personnage. Mais j'entends aussi que c'est important d'avoir un focus sur les énergies intérieures que vous cultivez. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes dans cette dynamique de volonté, de passion, de dynamisme, de créativité et d'envie, véritablement, et de plaisir? Ou est-ce que vous êtes dans autre chose? C'est important, en fait, de garder toujours en ligne de mire ces énergies-là, de ce que vous allez cultiver, de ce que vous allez cultiver intérieurement. Et on vient vous rassurer ici, quelque chose de très beau, de lumineux arrive, c'est important de garder la confiance par rapport à ça, de ne pas être découragé justement, peut-être par rapport à des obstacles ou par rapport à la temporalité. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vraiment ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, vos ressentis, liker aussi, etc. Partagez autour de vous si vous le souhaitez. En tout cas, ça serait vraiment très appréciable. Je vous en remercie. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous les amis. Coucou, alors je termine cette longue guidance, je ne sais pas combien de temps ça fait, par vous. Alors, je ne sais pas quel signe il me reste, honnêtement, je suis tellement concentré sur ce qui se passe, sur ce qui se dit que j'en ai perdu le fil. Je ne vais pas faire de prédiction non plus justement sur... voilà, bon bref, on va découvrir. Alors, c'est qui? C'est les Capricornes. Capricorne, donc on termine cette guidance avec vous. Capricorne. Alors, Capricorne, c'est intéressant parce que j'ai déjà des messages avant de découvrir les oracles. J'ai même plusieurs messages, donc je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça intérieurement pour pouvoir être le plus clair possible. Alors, le premier mot qui m'est venu en voyant votre carte, c'est liberté. Important ici d'être libre et de vous sentir libre. D'accord? Comme un peu un vagabond qui ne saurait pas où il va, qui est dans l'inconnu, qui vagabonde quoi, d'un endroit à l'autre, qui voyage, mais qui est en pleine confiance de la vie, qui se laisse guider, qui se laisse porter par ses envies, par ce qui se présente sur son chemin. En fait, en même temps, c'est être libre, mais en même temps, c'est s'en remettre au divin et à la guidance. Voilà ce que je ressens. Il y a un petit peu ces deux énergies qui pourraient paraître contradictoires, hein, le libre arbitre et puis s'en remettre à quelque chose, mais en fait, je ressens que ça se complète et ça se synchronise en fait pour vous durant ce mois de février. Je ne sais pas du tout si je suis clair, si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai ça qui me vient spontanément. Alors, il y avait autre chose aussi. Alors, quelques instants, je vais voir un petit peu, en espérant que ça va me revenir. C'est parti très vite. Ah oui, il y a l'idée de ne pas chercher justement à trop faire de projections sur l'avenir. Tiens, ça va être comme ça. Limite même, tiens, j'ai telles attentes, j'aimerais ça, je veux ci, je veux... laissez-vous, en fait, on vous dit, laissez-vous surprendre par la vie, parce que c'est de cette manière que vous allez être le plus content, joyeux, vous êtes le plus surpris, justement. On est surpris quand on ne s'attend pas aux choses. Et il y a ce message qui est sous-jacent là pour les Capricornes durant le mois de février. Alors, les guides, est-ce qu'on a autre chose ? J'ai l'impression, je ne sais pas les cartes qui vont ressortir, mais j'ai l'impression que justement l'aspect prédiction n'est pas important. Je ne pense pas ici qu'on veut vous faire des prédictions. C'est peut-être plus une guidance, un conseil, quelque chose qui va venir, j'en sais rien, hein, encore, j'ai pas découvert, mais qui va venir renforcer les premiers mots que j'ai eus, qui sont vraiment pour moi déjà les plus importants, avant même d'avoir des messages d'oracle, c'est ce que j'ai ressenti. Et en fait, l'aspect... prédiction, essayer de savoir ce qui va se passer, et limite, on s'en fout, c'est pas ce qui va être important pour vous durant ce mois de février. Alors, on va quand même découvrir la guidance. Discovering Truth, donc découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Ah, c'est intéressant. Donc, vous voyez, il y a quand même des vérités qui arrivent, il y a des révélations, il y a principalement ça en fait, des vérités, des révélations qui vous attendent, mais on ne vous dit pas quoi ici, là, dans cette guidance. On vous dit juste que ça arrive de toute façon et que justement vous allez le découvrir. Donc ne cherchez pas à savoir, ne cherchez pas à comprendre, durant ce mois, ne cherchez pas à argumenter trop avec les autres, à vouloir convaincre aussi, j'entends. Soyez juste vous-même. C'est intéressant, je vous ai parlé d'un vagabond libre, enfin oui, de vagabond et de liberté. Regardez le personnage là, celui-ci. C'est plutôt lui que vous incarnez, ou le conseil des guides pour l'énergie à incarner. Vous voyez, lui, il ne regarde pas au même endroit que les autres, et il n'est pas sur le même chemin, il suit son propre chemin, sa propre guidance. Hein? il sait pas, justement, il se pose pas forcément la question. Eux, ils se posent des questions, là, ils analysent. Lui, il n'est pas dans le mental, il est dans... Allez, j'y vais, j'ose, je prends un risque, je me lance, voilà, je vais dans l'inconnu. Et c'est dans cet état d'esprit-là que vous allez atteindre la vérité de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez, de découvrir des vérités peut-être sur la vie, sur le fonctionnement du cosmos, de la guidance, j'en sais rien, tout un tas de choses comme ça. Ok. Et vous avez aussi letting go. Voilà. I surrender joyously to the ebbing and flowing of life. Donc, vous laissez guider, vous voyez, c'est ça. C'est se laisser porter, se laisser guider. Là, le poisson, c'est pas lui qui maîtrise le courant. Hein, il est bien obligé de suivre, là, le courant. Et on a les coquillages à côté qui nous indiquent que ce sont vos guides qui vous communiquent, qui vont vous souffler des messages. Et en plus, vous allez beaucoup plus capter cette guidance-là, comme ça, de la vie elle-même, la guidance de la vie elle-même, quand vous vous en remettez à la vie. Vous voyez, je vous parlais de ça, je crois, ici, de, je sais pas, enfin, non, là, en plus, on a le mot « surrender », donc c'est vraiment, on s'en remet à, voilà, on s'en remet à la vie, on s'en remet au flot naturel des choses, on est à l'écoute de nos émotions ici, les émotions, c'est très important, là, hein, avec le symbole de l'eau. Letting go. C'est ça, on lâche prise, on se laisse, c'est ça, bercer, parce qu'il y a quand même quelque chose de calme, de doux, ça se fait pas dans la confrontation, ça se fait pas dans la peur, dans la douleur, etc. là, pour vous. Au contraire, on vous dit, plus vous laissez la liberté à ce mouvement, à la vie, sans résistance, plus vous êtes dans la confiance, et plus ça va se passer de manière fluide. Voilà, totalement fluide. Donc on a un très très beau message, les amis. J'espère que ça aura résonné avec vous, les amis Capricorne. Écoutez, c'était une super guidance. Enfin, moi, j'ai beaucoup pris de plaisir à faire cette vidéo en entier. On a eu des très très beaux messages, franchement, les amis. Donc, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, partager autour de vous pour aider d'autres personnes, guider d'autres personnes. Et laissez-moi un petit ressenti dans les commentaires si vous souhaitez. Ça sera avec beaucoup d'accueil, de plaisir, de gratitude. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous, les amis. Salut, salut!